Ok, salut tout le monde, c'est Timmy44 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie commentée sur Call of Duty Black Ops. Il s'agit d'une partie bien particulière car il s'agit d'un défi réalisé par un membre de la DGSN. Et non, il ne s'agit pas de Dark Monster car comme vous pouvez le voir, il s'agit encore d'une vidéo au snipe. Un défi réalisé au snipe, non pas par Dark Monster mais par un membre qui a intégré la DGSN il y a peu de temps. Il s'agit de mon cher ami Gilles ou Gilles MP. Comme l'indique son IDPSN, qui a décidé d'essayer, et bien sûr de réussir, ce fameux défi qui nous avait été posté, qui était d'autre que d'obtenir les chiens au L96A1 lunettes thermiques. Donc la lunette thermique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'espèce de grosse lunette toute moche qui est montée sur le sniper, comme vous pouvez le voir là, et qui en fin de compte vous permet de ne rien voir du tout en général. Moi je sais que, bon bah là c'est vrai que dans la vidéo on voit clairement les ennemis, hein, ils sont tout blancs, mais moi déjà que je suis pas bon en snipe, alors en plus avec une lunette thermique, je ne comprends rien du tout. Donc c'était quand même un bon petit défi. Comme vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo, depuis que j'ai commencé à parler, il a commencé à enchaîner quelques jolis quickscopes. Ça va continuer à s'enchaîner afin de pouvoir débloquer ses chiens. Summit, voilà, il se trouve sur la carte Summit. Une carte qui n'est pas... Alors regardez, attendez, je me coupe deux fois. Donc il est dessus, hein. Donc ça, c'est Black Ops. Allez comprendre, il a pris le temps de l'ajuster deux fois d'affilée. Il était bien dessus, il l'a pas touché, même pas un hitmarker. Et c'est la troisième qui est rentrée qui l'a tué. Bref, l'un des nombreux petits bugs inexpliqués de Black Ops. Comme je le disais avant de me couper moi-même, il est sur la carte Summit, donc comme vous, carte qui est généralement appréciée par toute la communauté de Call of Duty, étant donné que c'est une carte qui est très bien disposée, c'est une jolie carte, blablabla, où on peut vraiment faire un maximum de cartons, un maximum de frags. Pourquoi? Parce que, un peu comme la vidéo sur Firing Range avec Dark Monster, ce sont des cartes, Firing Range ou Summit, qui sont des cartes qui sont généralement favorisées pour tout ce qui est rush, si vous voulez. Comme je l'avais expliqué, avec des petites armes comme pistolet mitrailleur ou autre. Donc faire une belle partie, obtenir les chiens au snipe sans camper sur une carte comme celle-ci, c'est vrai que c'est jamais évident. Donc je trouvais ça original et plutôt sympa de vous exposer cette partie. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la partie, il n'y a pas de technique particulière. Ça va être une partie relativement flash, il va y arriver à y débloquer relativement rapidement. Ce qui se passe, c'est qu'il va rester entre les deux spawns généralement afin de pouvoir voir venir les ennemis arriver d'un côté comme de l'autre. Maintenant qu'il est arrivé à 8 victimes d'affilée, c'est tout simple. Alors lui, il est super nul par contre. Maintenant, c'est tout simple. Il a son Blackbird qui est débloqué, il a plus qu'à attendre et à venir voir les ennemis et à anticiper. Là, vous avez pu voir que ça y est, il a déjà débloqué ses chiens. Donc, il fait le gadget et il se fait tuer. Il va repartir de plus belle, ses chiens vont faire un véritable massacre, parce que comme vous le savez, petite carte dit que les chiens se baladent comme ils veulent et font un véritable carnage. Et il va avoir plus de mal à trouver quelques ennemis, étant donné qu'ils ont tendance peut-être à rester perchés sur leur fameuse boîte en carton afin de se protéger des chiens. Mais lui, grâce à son Blackbird et grâce à un nouveau Blackbird qui va être débloqué par un de ses alliés, il va pouvoir anticiper les mouvements de l'ennemi et aller les débusquer. Vous allez voir que la fin de partie va bientôt arriver, c'est une partie vraiment éclair et qui va continuer à se régaler avec son snipe malgré le fait qu'il ait déjà débloqué ses chiens et que l'objectif est atteint. Là vous pouvez le voir qu'il y a plein de plus 100 qui apparaissent à l'écran parce que comme je vous l'ai dit, ses chiens se régalent, hein. Ils bouffent de l'ennemi à gogo, là encore avec marqueur. Je pense qu'il aurait pu faire encore plus de kills si il n'y avait pas ce problème, fameux problème de hitmarker, hein, de super bastos rentrés en quick ou en flash et qui en fin de compte ne compte comme assistance quand un autre gadget s'amuse à tirer sur l'ennemi alors que vous l'avez déjà bien achevé. Donc là, un petit campeur dans le spawn, spouf, ça mange pas de pain. Donc vous allez voir, il va continuer. Moi, je suis satisfait de son défi. Je le remercie de m'avoir exposé ce gameplay. Je trouve ça original de vous l'exposer. Je pense que vous allez l'apprécier également. D'autres défis seront exposés par la suite. Pour l'instant, on n'a pas encore reçu trop de demandes. Nouveau défi peut-être sur un sniper lunette ACOG. On verra ça par la suite. Là, on va arriver dans la fin de la vidéo. Il décide enfin de pénétrer dans le spawn ennemi. Et vous allez voir qu'il va faire une petite razzia avant de finir. On est rendu à 2. Attention, le troisième. Voilà. Et là, le hitmarker. Et il se fait tuer avant que la partie se termine. Elle se termine quand même sur un 25-2. Déblocage des chiens au L96A1, lunettes thermiques. En espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous dis à plus tard.